Petit low carb record pour YouTube, désolé, hein, on l'a pris plus tard que d'habitude, forcément demain ma fille n'a pas école, donc elle s'est couchée plus tard, et puis sa grand-mère a décidé de venir boire le café en même temps, donc... Alors du coup... Je suis désolé, mais la RNG est tellement pas avec moi que je vais pas jouer la Team Pop, hein. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux, j'ai trop pas de chance ce soir. J'ai trop pas de chance. Non, non, c'est un UK avec des signes chinois derrière. Ah, ça va s'annoncer très compliqué, ouais. Ça va s'annoncer très compliqué. Son canon joue avant mon canon. Alors techniquement, il devrait me prendre mon saga pour faire le maximum de dommages, mais il doit s'attendre à ce que... Hein? Ah d'accord, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il allait zapper quelque chose. Techniquement, il devrait prendre mon saga pour faire le maximum de dommages. Ce qui est bien, c'est que je vais savoir qui il va prendre avant que mon canon joue. Oui, qui j'essaie est gourmand, ce qu'il tombe quand même. Mais il peut se jouer en 1-1-1-3. Après, si tu veux l'opti, si tu veux qu'il fasse vraiment très très mal, ouais. Mais à part de ça, ça va, tu peux le jouer en 1-1-3. C'est pas déconnant non plus. Bon. Déjà, on va l'empêcher de prendre mon canon. Ensuite, on va lui mettre ça sur la gueule parce que je suis persuadé qu'il compte tellement sur sa team canon. Alors. C'est maintenant le moment de jouer. S'il prend mon saga, je crains rien. Et s'il prend mon Chakaraya, bah je lui prendrai son Chakaraya. Dans ta face. Ikigc, c'est mieux. Parce que Ikigc, il va te servir et en prio, en PVP et en PVE. Ah, merde. Il a caché son Chakaraya. Oh! Il prend celle qui a dents de dragon. Oh, j'aime. J'aime. Attends, qu'on fasse pas la même connerie. Non, c'est alors, il faut toujours regarder les cosmos de ses adversaires, surtout quand on fait du Jamir. Parce que là, par exemple, il a pris la seule qui avait dents de dragon, donc sa team canon vient de exploser toute seule. Celui qui a le plus de chances de proc. Non, là, c'est pas de la RNG, Fable. C'est vraiment une connerie de mon adversaire. C'est une connerie de mon adversaire, clairement. Sauf qu'il a les trois supports, techniquement, qui peuvent jouer avec Fée des Marais. Donc, je vois pas ce qu'il va jouer. Ah, vas-y, fais-toi plaisir. Vas-y, elle mourra pas, quoi que tu fasses. Toi, par contre, tu vas morfler un petit peu ta maman. Voilà. C'est ce que je disais. Du coup, bah oui, hein, écoute, bruit non. Et non, c'est un fail. On va tuer sa Luna de merde. De toute façon, il peut pas reprendre en... Il peut pas reprendre mes persos. Donc on va juste empêcher le deuxième Akala. Puis là, bah maintenant, c'est bingo. Comme une moule. Tiens, mon canon joue avant le sien. Vas-y. Oh, t'es pas drôle. Toujours regarder les cosmos de ses adversaires.
Et donc pour ta question à base, c'est celui qui donne le plus de chances de heal quand il y a un debuff ou buff qui se clean. Je sais plus le combien tiens c'est. Bon, deuxième team. Allez, j'ai envie de me faire plaisir. Nickel. Lancer. 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 Allez, s'il te plaît. Ouais. Eh ben, tu sais quoi, moi je le lancerai pas par contre. Voilà. Pas très fort son Seiya. Il ignore complètement Pandore, c'est parfait. À mon tour. Cache ton Seiya, cache ton Seiya. Oui. Oui. Hop, un petit heal en plus. Ça fait toujours zizir. Salut sympa! Eh oui, une nouvelle bordure. C'est vrai que tu regardes pas les vidéos sur YouTube. Cachotion. J'ai pas envie de me prendre le provoque. Vraiment pas. Triste. Là, j'aurais bien aimé qu'il me provoque en revanche. C'était évident. Tu vas vraiment faire la vague? C'était plus qu'évident. Bon, par contre, là, je pensais pas que mon Seiya allait crever comme une caquette. Hein. Bon, Pandore, c'était pas une bonne idée. C'est bon, j'ai compris, j'ai compris. On peut pas jouer Pandore dans ce monde. Fais chier. Pandore. Ma Pandore. Quelle tristesse. Triste. Je peux pas jouer Pampan. C'est chiant. Bah, il y était déjà hier. J'ai pas intérêt à perdre contre lui parce que alors les points vont tomber en tabarnouche si je perds. Mais honnêtement, après, ça c'est la deuxième journée.
Je pense pas que je pourrais être dans les 32 premiers. C'est pas possible. Il y a trop de baleines. Puis ça va me saouler avant la fin de la semaine. Clairement. J'en ai déjà marre et c'est juste le deuxième jour. Alors attends. Ah bon, on va prendre la chance, hein, parce que sinon on est dans le caca. Mon Deathmasque que joue après son canon fait chier. Là, j'ai une vitesse pourrie. Mon Misty joue après son saga. Mon Deathmasque joue après son canon. J'ai tout qui est pourri, là. Je vois mal comment je vais m'en sortir sur une team canon. Je sens que clairement ça va être mon Misty qui va être pris dans le triangle, donc ça sert à rien de lui mettre le truc. Voilà. C'était écrit dans le ciel. Ah, il en manque pas gros, chacun. Bah là en fait le chacal est mort s'il attaque. J'ai pas envie que mon Seiya se fasse provoque, mais il peut pas, donc on s'en bat à la limite. Parce que tout dépendamment comment ça va se passer, tu risques d'attaquer. Il est pas mort. Pas encore. Misty a du point de vie, mais. Non, voilà. Ça va être compliqué. Ah, Deathmask? Deathmask le sauveur? Là, clairement, je me heal. Hein. Clairement, je me heal. Hein. Prochain tour. Bonne chance. Plus 20 points. C'était dur. Au secours. Mon Dieu de misère. Ah bah DM. Et petite info, rien que pour vous. Bah YouTube va l'avoir plus tard, il sera trop tard. Farmez le Shrine Elite maintenant, avant minuit. Et n'ouvrez pas vos caisses. Gardez vos caisses et ouvrez-les demain, comme ça vous aurez Book of the Dead dedans.
Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai farmé de l'élite. Comme ça, demain, je suis sûr d'avoir Book of the Dead. Je vais même aller enfermer encore après. Petite info exclusive pour vous, le stream. Salut Mickaël, ça va? Ça va et toi, Nice Vlog? Comment allez-vous tous? Si, ça marche. Sur la globale, ça marche, du coup. Je te jure. C'est bizarre, hein, mais ça marche. C'était quand le serpent à deux cornes était sorti, on m'avait demandé comment t'avais eu le serpent à deux cornes. Non, non, je te jure, ça marche, c'est buggé. Ils sont... C'est encore un bug de la globale, sûrement. Hein. Mais le serpent à deux cornes, j'avais déjà fait le coup. Bah, c'était au hasard, parce que je vous aidais à faire le shrine. Et j'avais eu le serpent à deux cornes dedans. Et on m'avait demandé, mais comment tu l'as eu? Je dis, bah, j'avais des caisses, je les ai ouvertes, c'était les caisses du je sais plus quel jour, et je l'ai eu dedans. Ah, d'accord. Après, c'était complètement au pif, hein. C'était absolument pas voulu, hein. Oh, il a pas. Ouais. Après, je te confirme, à mon avis, clairement, Juko, ça doit être un bug de la globale. Je vois pas autrement. Oh putain. Ah, c'est pas grave, il nous reste le plus important. Oh, merci. Non, pas merci. Ah si, merci. C'est bon. On s'en bat le steak. J'avais peur de pas avoir assez de patates. Finalement, j'en aurais assez. La Luna est encore en vie. Le Seiya aussi, par la même occasion. Canon a fait son office. J'aimerais bien qu'il laisse Canon tranquille, mais bizarrement. Ah si. Non, ça aurait. Vas-y, on tente le tout pour le tout là. Vas-y, Saga. Oh, putain, les dégâts de merde qu'il fait, c'est incroyable. Ouais. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci. Ah, t'as deux shields de chargé. Normalement, tu survis pas. Hein. Sur le putain de Death Mask. Ah, je suis mort. C'est mort. Ah, ce Death Mask de merde. Putain, et dire qu'il va être encore plus fort à partir de demain. Bah, à chaque fois que tu fais 3, enfin, tu fais des spells qui coûtent du mana, Evolsaga, il attaque. Mais même s'il tue pas, il rattaque. Donc quand tu vas lancer ton CIA dans les airs, ça coûte 3. Et ben Saga va focus quelqu'un de ta team 2 fois. Et il fait mal quand il focus quelqu'un. On va pas prendre le risque parce que la dernière fois j'ai fait la même. J'ai voulu insister sur cette team-là, c'est pas passé. Donc on va plutôt aller avec la team CIA GC dans un premier temps. Et on verra par la suite. Dans un deuxième temps, si l'autre peut repasser. Tac.
manque? Qui me manque? Qui est ma DM? Qui me manque? DM. Allez. Il y a quand même du mono cible là. Hein. On va pas faire le fou. J'ai pas trop envie de me prendre un gros chion tour 1. Bah oui, tu connais DM. Bah moi je vais faire quasiment pas la même chose du tout. Tiens. Là on est d'accord. Tout à fait. Tout à fait Thierry. Et maintenant, par contre, on y va. Ah, mais tu vas finir par cracher, hein. T'inquiète. On est d'accord que j'ai fait deux, oui, j'ai fait deux. Donc je peux lancer ma wagonette. Je peux lancer ma wagonette. La wagonette, mon tour, la wagonette, bonne chance. Donc déjà, toi on te détruit. Voilà, comme ça. Suivant, parfait. Poséidon, ça me va bien. Ça me va moins. C'est pas grave. Normalement, tout le monde crève pas avec une wagonette. Voilà, Death Mask ne crève pas, c'est très bien. Oui. Par contre, je suis pas convaincu par la team Grand Pop contre cette team-là. La team Canon contre cette team-là. Je pense qu'on va plus y aller sur la team Grand Pop. Va plus y aller avec la team, une team Grand Pop. Donc, du coup, lui. Il peut jarter. Elle, j'aime bien qu'elle soit présente. Et qui c'est qu'on peut mettre? Luna, elle a pas assez de PV. Elle est à poil. S'il n'y a pas. Ah bah si, il y a Popo. Ouais, mais non, il y a son. Après lui. Ouais, bah finalement, on va y aller avec Canon au cas où en deuxième choix. Yes, son Misty joue avant mon Chakaria.
Yes! Le canon ne sert à rien. Si, je dis des bêtises, il va me servir. Il va me servir quand même. Au tour 1, mais il va me servir quand même. C'est bien ce qui me semblait qu'il faisait mal son putain de machin. Mon canon, il est level 3 au niveau du triangle. Et qu'est-ce qu'il a? Il a dent de dragon en cosmo légendaire. Ça sent le gros bourrin là. Allez, maintenant, RNG, es-tu avec nous? C'est la question de ce soir. Va-t-on battre Project Anne ou pas? Merci de croire en ma RNG. Ça serait gentil de votre part. Bon, déjà, ça c'est pas mal. Là, on va en profiter qu'il n'y ait pas de triangle, enfin de seed, hein, clairement. On va mettre ça là-dessus. Et c'est un fait, vas-y. Ah mais il a pas de Chakaraya. Il a pas de souris, pas de Chakaraya. Ouh, ça sent le contrôle mental. Et non, ton dragon, loupé. Mais vous avez vu, hein, il l'a même pas pris, mon machin. On constate, hein. Bon, par contre, maintenant, il rentre dans un monde de merde. Non, mais... T'es sérieux là? C'est une vraie joke ce truc. Une vraie joke. Bon bah la RNG n'est pas avec moi. Fais chier. Bon bah vas-y hein. Pour l'honneur et la gloire. Bizarrement, j'ai un mauvais feeling. Je me cache les yeux. Vous me voyez pas, mais je me cache les yeux. Si le chion passe, je suis tellement dans le caca. Et si le Poséidon passe aussi, d'ailleurs, au passage. Bon, j'ai vu que le Poséidon était passé, hein. Donc, la merde, hein. Dégage. Putain. Tout va bien. On est encore en vie. Pas pour longtemps. On est encore en vie. Jusque-là, on contrôle. Ah, bon, ça fait plaisir. Bon, là, bien entendu, à part s'il booste les shields, ça va être compliqué.
Ah mais la souris est morte au prochain tour. Ah oh, mais j'ai perdu. Bon, on va relâcher la purée, hein. De toute façon, voilà. Tiens, vas-y. Meurs avec le panache. Allez, moins 10 points dans la gueule. Oui, 100. On s'y est dit qu'il a une plus grosse box que moi, dit qu'il abandonne, c'est pas bon signe. 100, Idao. Le popo, mon popo, non, il a pas de dents de dragon. Ça va être très compliqué. Autant la première journée, on a gagné plusieurs matchs, on a gagné pas mal de points. Autant là, c'est vraiment une soirée de merde. Pour l'instant, j'ai gagné 7 points. C'est pas beau. Oh, mais j'ai eu trop de retard sur les Cosmos. Je m'en aperçois. Beaucoup trop de retard sur les Cosmos. Qui nous dit le petit Andy? Il nous a juste dit j'abandonne. Ok. Nous n'abandonnons pas. On va tenter jusqu'au bout. Salut Canou. Bah non. J'avais pas de cible. Comme là, j'ai aucune cible. Il n'y a personne qui joue entre mon canon et mon chaka. Bon, par contre, clairement, ça va être la merde. Là, ça serait quelqu'un qui aurait beaucoup plus de PV, j'abandonnerais direct. Mais vu que c'est pas quelqu'un qui a énormément de PV, ben on va le tenter. En bourrinant. Clap. Ah, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe, j'étais persuadé qu'il joue après. Excusez-moi, j'ai joué OK, ça y est. Oh, mais sérieux, arrêtez avec cette vidéo. Bah ouais, hein, je m'en serais douté. C'est pas grave, regardez. Il y a son petit frère. Me sers plus à grand-chose, toi. Ah, level 4 quand même, son Another Dimension. On dirait que je suis le seul pélos à avoir besoin de doublons de grand pop. Tiens, pour la peine, ça sera ça.
Ce serait bien que tu finisses par crever, toi. Voilà, comme ça serait plutôt bien. Le problème là, c'est qu'il y a un afro à 8 fleurs possibles. Ça risque de faire pas du bien. Oh, tout le monde est encore en vie. Ah, bah, plus saga. Tristesse. C'était une petite erreur fatale que tu viens de faire. Présente la mort d'Afro. À ton tour. Bon, ça va être compliqué. Oui, c'est Adem. Tu sais que tu serais mieux avec maman à faire des dodos. Ça. Et ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des bisous à la caméra? On faudrait gagner celui-là histoire de gagner un peu de points. Non, elle dort pas encore, non. Elle a foutu le bordel dans sa chambre, maintenant c'est sa mère qui range. Toi, si t'as un téléphone. Ah ouais, mais tu joues pas pareil. S'il lance son Seiya, voilà. J'allais dire, s'il lance son Seiya, je lance le mien. Oui, j'ai vu que t'avais un téléphone, ma fille, mais il marche pas celui-là. Merci, merci. Yes, plus de Milo, ça c'est une bonne chose. Ça sent la vague. Ouais, pas sûr. Là, il est grave dans la merde. Là, il est grave dans la merde. Bah, du coup, je vais même faire la. Il m'a tué mon fantôme, les gars. Il m'a tué mon fantôme. Ah, mais c'est mort, elle est sous compte contrôle, donc. Neuf points. Putain. 9 points. J'ai gagné 16 points depuis 20 heures. C'est horrible. C'est horrible. C'est juste horrible. J'étais 66e, je vais peut-être passer dans les 62. Je vais juste vérifier. Ah ouais. Ah ouais, oulala, il est même pas dans les trucs. Ah ouais. Chaud. Chaud, 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 chaud. Projectile non plus, il s'est fait jarter, Taylor Rex aussi. Oh la vache. Comme quoi, il y avait des baleines que je connaissais absolument pas. On verra. Rien n'est perdu, tout reste à jouer, mais chaud. Voilà YouTube, on se retrouvera demain pour la suite des aventures en Jamir.